Salut tout le monde, ici le geek. Je vais montrer dans la vidéo ici la méthode que j'ai utilisée pour résoudre le défi Micmac numéro 8, qui consiste à trouver un nombre premier le plus grand possible, tel que quand on l'écrit de gauche à droite, tous les nombres intermédiaires écrits soient premiers également. Donc j'en ai testé pas mal, hein. Je vais pas faire toute la méthode depuis le début, ça m'a pris environ une vingtaine de minutes, donc 20-25 minutes. J'en suis à. Donc je vais partir du nombre 7. Qui est le nombre dans lequel j'ai trouvé la plus grande valeur. Donc j'utilise la méthode systématique, c'est-à-dire que tous les nombres premiers se finissent soit par 1, par 3, par 7 ou par 9, à l'exception de ceux qui sont inférieurs à 10. Donc ce que je fais, c'est que je teste à chaque fois un par un, en incrémentant dès que je trouve une valeur qui ne fonctionne pas. Donc là, j'ai le 7, je pars avec 71, je teste le 1 à droite. Donc ça fonctionne, donc je continue avec un 1, ça fonctionne pas. Comme ça fonctionne pas, je remplace ce 1 ici par un 3 et je teste. Fonctionne pas, je remplace par un 7, puis par un 9. Voilà, ça fonctionne, donc je continue. Je mets un 1, fonctionne pas, puis je remplace par un 3. Et à chaque fois, je teste tous. Ça fonctionne, 1, 3, ça fonctionne, je reteste, 1, 3, 7, 9. Voilà, donc là j'ai testé tous ceux, pour ces 6 chiffres, j'ai testé tous les nombres premiers, enfin tous les nombres qui se termineraient ensuite par un 1, 3, 7 ou 9. Aucun n'a fonctionné, donc là le plus grand que je trouve c'est 719 333, qui est plus petit que le précédent que j'avais trouvé avant. Donc inutile de le noter. Et donc là je reviens en arrière et je remplace le 3 qui est ici par un 7. Et je continue comme ça. Donc là, ça n'a pas fonctionné non plus. Donc je reviens en arrière, je mets un 7 ici, puis un 9. Fonctionne pas. Donc je mets un 7, 9. Voilà. Donc je reviens à chaque fois. Le 1, je remplace par un 3. Et je continue. 1, 3, 1, 1, 3, 7, 9. Fonctionne pas. Je reviens, je mets un 3, puis 1. Puis 1, puis 3, puis 7, 9, fonctionne pas, je remplace le 1 par un 3, puis par un 7, puis par un 9, fonctionne pas, ce 3-là devient un 7, et je teste comme ça, 1 par 1, 3 devient un 7, puis un 9 fonctionne, donc là je continue, 1, 3, 1, 3, 7, 9, fonctionne, je mets 1, 1, 3, fonctionne, 1, 3, 1, 3, 7, et 9. Voilà. Là, j'en ai un nouveau plus grand que le précédent, 73 939 133, que je note et je continue pour essayer d'en trouver des plus grands. Donc le 3 fonctionne pas, enfin a fonctionné, donc j'essaye avec 7, puis 9, 3, 7, 9. Là, j'essaye avec 3, ça fonctionne, 1, 3, et je continue comme ça en testant systématiquement toutes les combinaisons possibles. Donc 7, 1, 3, 7, 9, 9, 1, 3, 7, 9, fonctionne pas. Donc là on arrive ici, 7, 9, 73, donc après 77, c'est pas un nombre premier non plus. 79, c'en est un, on continue. 1, 3, 7, ça fonctionne. 1, 3, 7, 9, fonctionne pas. J'essayais que 9, fonctionne pas. 799, ensuite il faudrait que je passe à 8, c'est pas un nombre premier, et le 9 n'est pas un nombre premier. Donc le plus grand que j'ai trouvé en utilisant cette méthode, c'est 73 939 133. Voilà. A priori, c'est le plus grand nombre premier qui respecte la règle du défi. Donc je verrai bien quand j'aurai la réponse. Soit c'est terminé. Sinon, bah, je vous invite à aller voir la chaîne de Mickey Launay, hein, qui a créé ce défi sur sa chaîne Micmat. C'est très intéressant. Il y a des dizaines et des dizaines de vidéos à regarder, tout aussi intéressantes les unes que les autres. Voilà, je mettrai le lien dans la description du défi et de sa chaîne vidéo. Merci, à bientôt.